lessive pour adultes était un peu nul. Il y avait que des images. Avec la connexion, le chargement était si long que bien souvent on kiffait sur un chignon. Oh merde, merde, merde. C'est... Il existe également des textos sexuels, autrement appelés sextos par les spécialistes. Mais chut, ça devient érotique. J'ai perdu l'espoir avec la Saint-Valentin et l'amour en général. Hein. Je veux dire, j'ai une situation professionnelle irréprochable, j'ai de l'argent. Je veux dire, je suis sympa, je suis... Oh, salope là, comment ça va? Oh, ça va pas, t'es malade toi, connard là. Et voilà, c'est toujours comme ça. Hop le cul. Je sais pas, c'est moi qui ai un problème. Oh, salope. Elle m'habite, elle est là, elle attend quoi? Oh. Avant, j'étais timide et romantique. Ça se passait pas toujours très bien avec les filles. Mais depuis que j'ai découvert l'alcool, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, on se prend pas la tête, on est entre nous, oh! Oh, on est entre nous! Donc ça, c'est moi et Justine au camping. Là, on était au ski, à la montagne. Mmh. Et là, on était à la mer. C'est qui le mec qui est avec vous tout le temps? Ah, ça, c'est son ex. Ils sont restés super potes, t'inquiète. D'accord. Vous avez l'air bien potes, là, quand même, hein? Bah, attends, là, mais là, il a sodomise, quand même. Ouais, mais c'est amical. Hey mec, regarde l'article que je suis en train de lire. Regarde ça mec, la nana, elle a accepté de sucer un porc pour 10 000 balles. Donc s'il y a des filles avec qui t'as couché, bah tu peux me le dire. Bah carrément. Bah écoute, y a Lucie, Sarah, y a Mathilde, ça va? Anaïs, ça va Anaïs? Il y a moi aussi. Voilà, y'a Jessica. Non, non mais c'est bon en fait, j'ai pas envie de savoir, c'est bon. Et Benoît. Waouh, 20 notifications. Bienvenue dans le groupe de motards du 24, mon petit. On va faire un tour. Mais comment voulez-vous que je fasse un tour, les mecs? J'ai même pas de moto. Salut, mon loulou. Et bienvenue dans le groupe des chauves coquins du Périgord. Nous, ce qu'on aime, c'est les chauves musclés. Et si tu veux qu'on s'occupe de ton grand crâne? On est là pour ça.